Hey tout le monde, c'est CS de Galataram. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau vlog plus exactement. Ce week-end, je vous emmène avec moi à la ferme Saint-Vite de Poitiers. C'est le salon de l'agriculture de Poitiers. C'est un mini salon de l'agriculture avec surtout l'élevage mis en avant. Il y a 2 ans, je vous avais déjà fait un vlog. Le thème c'était le cheval à l'honneur. Je vous mets la vidéo dans le petit, enfin les deux vidéos dans le petit parce que c'était un week-end très très chargé. Du coup, ça y est, 2 ans plus tard, on peut enfin y retourner. Alors cette fois-ci, on n'emmène pas de chevaux. J'ai emmené 2 Angus. Alors j'en emmène 2. Ceux qui me suivent sur Instagram ont vu un petit peu tout l'histoire du dressage, etc. Je devais en emmener 3 jusqu'à il y a 2 jours. J'ai appris il y a 3 jours qu'une de mes génisses roadrunner était divergente à l'IBR, donc c'est-à-dire qu'elle sur la prise de sang, il y a un test qui est positif, et, ils l'ont refait et l'autre test était négatif. Donc dans le bénéfice du doute, toutes les manifestations en fait sont interdites pour elle pour l'instant. On va refaire une prise de sang dans 15 jours, etc. Donc forcément ça va passer, mais bon. Voilà, je suis un petit peu dégoûtée, j'emmène donc mon petit taureau Sky et puis une génisse de 10 mois Rainwater. La vidéo aux préparations des Angus, etc. va sortir beaucoup plus tard. Voilà, si jamais vous tombez sur cette vidéo des mois, voire des années après la ferme Saint-Vite, je vous mets la vidéo du dressage des Angus dans le petit i, mais voilà, elle ne sortira pas avant cette vidéo. Donc du coup, là on est le samedi matin, les Angus sont donc arrivés hier soir, voilà, tout s'est très bien passé, je les ai lavés là-bas, elles se sont familiarisées avec le salon. Tout va bien, moi j'y retourne à partir du début d'après-midi parce que j'ai des petits trucs à faire au ranch, voilà, je m'occupe du ranch ce matin. Et je vous emmène donc avec moi aujourd'hui, le programme de la journée, je vais essayer de filmer un petit peu tout le salon. Je vais filmer les concours aussi, il y a un départemental Limousin et surtout un régional Primolstein que je veux filmer parce que j'ai 2 vaches, enfin on a 2 vaches de chez nous qui participent. Donc voilà, ça c'est super intéressant. Et je vais aussi faire le tour des exposants, interviewer un petit peu tout le monde, enfin bref, vous allez voir un petit peu dans la vidéo, on va voir. Et du coup, demain dimanche, je vais pareil, refilmer le salon et on a une présentation des Angus sur le ring à 15h. Donc voilà, le petit programme de ce week-end. J'espère que cette vidéo vous plaira et c'est parti! Avec Sky là et il est en train de mater depuis tout à l'heure les vaches qu'il y a dans le ring. Hey, hein, y a de quoi faire, hein. Attends, là il est en train de faire mumuse avec la voisine. C'est trop sauvage comme bête. Alors je veux juste vous présenter l'AWA. L'AWA, c'est l'association western acadienne dont je fais partie. Je suis la trésorière de cette association. Une association qui réunit une 30aine de cavaliers, tous propriétaires de chevaux comme celui-ci. En fait, nous sommes spécialisés dans l'équitation de travail sur du tri de bétail. Donc l'objectif, on est organisateur de concours. C'est une forme de tri de bétail de façon sportive qui nous permet de manipuler les vaches. Donc il y a un jury, c'est une épreuve chronométrée, donc il y a différentes disciplines, le ranch sorting, le ranch cutting ou le stream and to get. Il faut trier des vaches dans l'ordre, dans un temps imparti. On organise surtout des concours sur le centre-ouest, donc régulièrement c'est Chaillac, René, Guéret et puis Poitiers, aux alentours de Poitiers, voilà, on gravite vraiment sur cette zone-là. Par contre, on participe à d'autres concours faits par d'autres associations de tri de bétail. Nous sommes organisateurs de concours, mais aussi on participe à des démonstrations, à des animations lors de fêtes. Ce week-end, nous sommes sur un salon, la ferme Saint-Vite à Poitiers, mais on peut être sur d'autres concours, d'autres manifestations, des fêtes de village. Donc c'est pareil, si ça intéresse des collectivités, on peut tout à fait se déplacer avec nos chevaux, avec nos vaches, pour vous faire de l'animation. Si vous êtes intéressé pour l'AWA, il faut nous contacter. Vous avez sur le Facebook, vous tapez AWA, Association Western Acadienne, et vous aurez toutes les infos nécessaires.
Si vous êtes intéressé par le type bétail, mais par exemple vous n'avez pas de quarter horse, pas de souci, vous pouvez vraiment apprendre avec votre cheval. Moi-même, j'ai commencé au départ, je n'avais pas de quarter horse, j'ai commencé avec un croisé Mérins, mon cheval de randonnée, et ça marche très très bien. Les chevaux s'y prennent, se prennent au jeu, c'est très très intéressant. N'hésitez pas à venir nous voir, nous sommes des gens très sympathiques. Voilà. Non mais ça, tu le mettras pas. Rito ! Oh Rito ! Jour 2 de la ferme Saint-Vite, c'est parti. Mais oui, ça la gratte en fait. Je retrouve ici pour vous dire que c'est la fin de cette vidéo, on vient juste de rentrer, il est 21h. Les deux petits loulous ont bien voyagé, ça y est, je les ai passés une dernière fois à la douche pour leur enlever en fait la laque qu'ils avaient pendant le clipage et tout. Et c'était vraiment trop cool, ça fait du bien de reprendre ce salon après 2 ans sans rien avoir fait, c'était trop bien. Je suis trop trop fière de mes petits Angus. Ah bah attendez, il faut que je vous montre ce qu'on a eu. Du coup, ils m'ont ramené cette petite coupe qui est absolument magnifique hein, d'ailleurs, soit dit en passant. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce genre de petit vlog vous plaît toujours autant. J'en avais fait un pareil il y a 2 ans et ça vous avait vachement plu. Si vous voulez en voir plus sur notre quotidien, que ce soit avec les Angus ou bien avec les chevaux, la vie au ranch, etc. Suivez-moi sur Instagram, je fais beaucoup de stories sur Instagram, quelques posts aussi, enfin voilà, je suis beaucoup plus présente sur Instagram, c'est plus facile pour moi. Et en plus, vous pouvez voir un petit peu l'arrière du décor, tous les backstage, et ça c'est trop cool. Pensez à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait et activer la cloche de notification si vous voulez des notifications, bien évidemment. Tant qu'à moi, je vais finir de m'occuper des petits loulous, je vais finir de ranger les affaires, etc. Et moi, en attendant, je vous dis... à la prochaine, ciao ciao.